Oh ok, le mec qui court, c'est qui? Ah, est-ce qu'il a tué tes licences? Ouais, 1000 euros pour. Bonjour monsieur, ça va? Ouais, bonjour monsieur Kent. Ah non, je vais pas en prison, je vais pas y aller. 10 000. Belleville, n'est-ce pas? Comment? Derek Aubert a mis 10 000 euros pour rien du tout. Ah si, pour meurtre involontaire. Ah, tu sais que meurtre involontaire, en vrai, c'est 5 à 10 ans de prison. Bah, c'est quand même bien payé quand même. Excusez-moi, j'ai pas bien entendu. Ça va bien, vous allez bien, la ville vous plaît? Oui, c'est plutôt cool ici, on est bien. Par contre, monsieur Ken, tout à l'heure, j'ai entendu la police qui cherchait après tout. Tu vas te déco? Faites attention. T'as rangé? Oui, parce que j'ai sauvé quelqu'un en fait, et je me suis fait tuer, enfin, je me suis fait tuer. Et apparemment, sauver quelqu'un dans ce pays, c'est pas bien. Ah ouais, ah bon. Moi je me rappelle mon arrière-arrière-grand-père, il avait sauvé quelqu'un, il s'est fait abattre par un sniper de la police. De quoi? Alors qu'il avait sauvé quelqu'un. Du coup, je crois qu'il faut pas sauver les gens ici. Ah, c'est plus fort que moi, désolé, hein. Moi je suis obligé de sauver les gens. Ouais, ben moi c'est pareil, quand je vois des injustices, j'essaye d'aider les gens, mais apparemment ça plaît pas à la police. Ouais, c'est bon, je vois absolument rien, je sais pas si je bouge là. Beaucoup et qu'ils le font mal. C'est vrai. C'est bon, j'ai plus les menottes là, je vois pas du tout. Je suis d'accord. Tant que le message n'est pas mis, okay, comme quoi, Almir. Je suis vraiment noir, je vois que dalle. Eh ben du coup, moi je... Je sais pas trop quoi faire là, je vous avoue, je regarde les étoiles, j'écoute la police qui parle des vous, et puis, je sais pas, je pense que j'ai pensé à chanter, me promener au milieu de la route, hein. Vous me suivez? Allez. Sia? Faut chanter bien, monsieur, continuez. Eh ben j'ai remarqué, vous savez, j'ai fait une école de chant, et ça s'appelait les superbes écoles de chant et du roi du Congo. Ouais, je suis bien arrière, est-ce que c'est vous bon. Connaissez le roi du Congo, monsieur? Non, c'est qui? Viens, Max, c'est mon rire. C'est une personne très importante, et comme son nom l'indique, c'est le roi du Congo. Ouais, il m'emmène, il est aussi moi, il m'emmène. Ah oui, et bah alors, oui. C'est si une erreur, je veux bien faire un petit dégueu. Il est le chef de notre pays, et il a créé plein d'écoles de musique, et par contre, on doit chanter tous la même musique. Et cette musique, eh ben c'est cette musique que je viens de vous chanter. Lolilou la l'air, lilou la lolilou l'air, lilou la l'air, la lilou la l'air. C'est qui chante là? Eh, vous trouvez pas ça très joli? Oui, quoi, continuez s'il vous plaît, continuez. Je vous suis, je vous écoute. Lilou la l'air, la lilou la l'air. Tarot de poli? La lilou la l'air. What? Monsieur, je crois que le ciel il disparaît, et les étoiles ils sont tous partis. Ça c'est la drogue, je pense. Ah ben elles sont tous revenus. Ah mon dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? C'est trop bizarre, monsieur, aidez-moi s'il vous plaît, je vous en supplie, c'est quelque chose. Je vous aime bien, monsieur, vous êtes un peu fou. La seule chose qui peut nous... mais je suis pas fou, vous dites vraiment des choses pas très correctes. Moi je pense que la musique va nous sauver. Oh mon dieu, un revenant. Et monsieur, regardez, il a un chapeau. Fuyons, il a un chapeau. Et je le connais, vous inquiétez pas, c'est un ami. D'accord, c'est un ami. Eh, bonjour monsieur Hancock, mais vous étiez avec la police quand tu parlais de monsieur Kent. Eh ouais. Mais d'accord, je vois. Et vous savez que les étoiles, elles viennent et elles partent aussi vite qu'elles sont venues, hein. C'est très dangereux. Je pense que ça peut faire des cataclysmes et que les pingouins, ils peuvent tomber des icebergs. Ouais, c'est comme le jour, il vient rapidement. Non, je sais pas, depuis tout à l'heure, je vois, il fait jour, nuit, jour, nuit, jour, la théorie jour, comme nuit. Quoi la Terre, elle tourne. Encore, et du coup, il y a qu'un soleil, elle est fausse. Je pense qu'en fait, il y a quelqu'un qui tire sur un petit bouton et qui... Oh, t'es chaud, il y a l'hélicoptère, là. Ah putain! Écoute-moi cette chanson en lui là! Lilou, lilou, la l'air! Lilou, lilou, la l'air!
voilà. Ah. Il l'a tasé direct. Exo, il s'échappe. Exo, il s'échappe. Ah putain. D'accord, le prochain. Bonjour monsieur l'agent. Un slug de B2. Monsieur l'agent. Monsieur l'agent. Oh Xamoun, ça va. Vas-y, on se casse. Pourquoi vous me mettez de l'électricité dans le dos? Attends, viens, on se cache et on l'écoute. Monsieur Astem, c'est vous qui parlez là avec l'électricité? Mais oui monsieur, mais je comprends pas pourquoi vous avez fait de l'électricité sur moi. Eh, hey, ça fait mal monsieur, et j'étais... Ah, monsieur. Qu'est-ce que vous faites? Vous me faites des chatouilles, votre canon il est dans, en dessous de mon bras et ça me fait des chatouilles. Monsieur l'agent, pourquoi vous embarquez mon ami? Alors monsieur, je vous en... Je vous demande s'il vous plaît d'arrêter de chanter, d'arrêter de spammer tout sur la place. Là on est dans une situation assez imposante étant donné qu'il y a eu des tirs ici il n'y a pas longtemps. Donc je vous demande s'il vous plaît d'arrêter de troller monsieur s'il vous plaît. Monsieur, ça je ne trollais absolument pas. J'étais en train d'apprendre à mes amis la chanson du roi du Congo. Et vous êtes arrivé. Ouais, d'accord, il n'y a pas de soucis. Et monsieur, monsieur. D'accord, je vais pas chercher à aller plus loin monsieur, vous allez être convaincu de ce que vous dites, donc je vous déménote, mais je veux pas revoir chanson du Congo ou quoi, ou parler de mon hélicoptère ou n'importe quoi qui pourrait provoquer, s'il vous plaît, merci. D'accord, ben excusez-moi monsieur, votre hélicoptère est très joli et j'arrêterai d'en parler, d'accord. Excusez-moi monsieur, et je vous dis une bonne journée, faites bien votre travail. Et encore une fois, excusez-moi d'avoir chanté. Monsieur Kent, dites à votre collègue que je suis encore désolé d'avoir rangé son véhicule à cause que je croyais que c'était un... Ah ben ouais, non, il est pas là. Ben voilà, à cause que c'était un assassin, d'accord. Ok, je lui dirai. Merci monsieur l'agent. D'accord, merci à vous. Au revoir. Par contre, monsieur Kent, oui. Ça il faut quand même le savoir, c'est une arme légale que vous avez, c'est ça? Oui. D'accord, les armes légales sont obligées d'être dans le sac en fait. Vous ne pouvez même pas les avoir dans le dos, c'est carrément dans les règles. Sinon, je serai obligé de vous la saisir, monsieur. Ok, ben bah, je vais acheter un sac alors, monsieur l'agent. Il y a pas de souci, monsieur. C'est pour éviter à l'avenir justement de faire une petite bêtise qui pourrait vous coûter quand même assez cher. Je ne connais pas nécessairement le prix de cette arme, mais à mon avis, ça ne doit pas être donné. Hein. Vous avez raison. Voilà. Alors moi je vais me retirer, merci pour votre coopération monsieur Exomoon et bonne fin de journée étant donné qu'on est déjà le matin, d'accord. Eh mais on est 4 contre 1 pour être buté cette fois. Vous aussi. Bonne journée monsieur, au revoir. Au revoir. Au revoir monsieur avec le beau hélicoptère. Eh monsieur Ken. Oui. Eh ça va monsieur Ken. Et je pense qu'il m'en veut, il aime pas ma chanson du roi du Congo. Moi je l'adore moi. J'ai l'impression qu'il sur Altis, il n'aime pas les chansons du roi du Congo. Je crois qu'il est un petit peu raciste contre le roi du Congo. En plus il sera abusé. Moi j'ai un idée de plus un police. Il faut lui. Je rigole. Je pense qu'il va mal le prendre après et il va dire oui vous trollez blablabla. Alors que moi j'ai rien fait et j'ai chanté ma chanson du roi du Congo et lui il est méchant avec moi parce qu'il parle du nez. Après tout, elle a qu'à parler du cul, hein. Ouais. Non mais d'accord, j'admets que cette petite blague était pas très très drôle, mais quand même, je suis pas content. Moi j'aime pas qu'on me fasse de l'électricité juste parce que j'ai parlé de son hélicoptère et que j'ai chanté la chanson du roi du Congo. Et... On peut avoir un petit extrait encore? Eh mais tu sais que lui j'ai envie de le buter à Sten. Ah bah avec plaisir, moi je sais que vous l'aimez bien. Allez, c'était le mec qui m'a buté. Tout ensemble les gars, en cœur. Hello lilo la l'air, lolilo lilo la l'air, lolilo lilo la l'air, lolilo lilo la l'air, hélicoptère, revenez, lolilo la l'air, prenez-le avec vous, prenez-le avec vous. Arrêtez, ils vont me mettre en prison monsieur parce que je suis content et joyeux de vivre, ils vont me taser, ils vont me couper les jambes, ils vont me couper la langue, ils sont trop dangereux ici. Il revient non? Je crois qu'il revient pour vous. Il revient pour vous je crois. Mais il revient parce que... Ah oh, mais il est complètement fou mais c'est moi qui
Le santé il chante encore. Il est par les tunnels. Ouais, l'autre je vois pas. Il est au-dessus, il atterrit là. Il est avec ton hélicoptère là. Ah non, moi faut l'acheter un sac moi. Excusez-moi monsieur, mais. Désolé monsieur, je dois y aller, je dois acheter un sac sinon je vais me faire arrêter. Non mais je comprends. Déjà le mec il est complètement fou, ouais. Juste parce que je sens qu'il veut m'arrêter alors que vous êtes armé et tout. Et complètement barjo, ouais. Ouais, c'est sûr. Bon allez, allez les gars, moi je vais vous laisser parce qu'il m'a l'air vraiment pas très très gentil. Allez, sauvez bien les gens et faites attention à la police. Hein. Allez, moi j'y vais. Hein. Allez, bonne nuit monsieur, ou bonne journée. Hello, lilo, la l'air, lo, lilo, lilo, la l'air, lo, lilo, lilo, l'air, lo, lilo, lilo, la l'air, lo, lilo, lilo, la l'air. J'adore ce genre de joueur, moi. Lilo,